question que je voudrais en fait savoir. Je n'ai pas eu l'occasion ni l'honneur de lire votre ouvrage. Je voudrais savoir si le Korandjé fait partie de votre langue algérienne ou bien on peut le considérer comme une langue d'origine africaine, comme les études le démontrent, qui n'est pas forcément en relation avec le panorama linguistique algérien, si on peut considérer le mot Algérie existe avant le Xe siècle. Parce que le Khaldoun Bekri parle de Maghreb central, Maghreb Aoussa. Et puis vous avez utilisé l'Algérie même 8000, 7000 à 8000 ans avant. Alors c'est par rapport à des considérations plutôt académiques pour un peu cerner la problématique et ne pas rentrer dans cette optique de Algérie, Maghreb Aoussa, et comment ça s'appelait avant. Ou bien c'est un choix d'un auteur pour plutôt clarifier et pour ne pas entrer dans ce débat de l'Algérie d'avant, de l'Algérie aujourd'hui, comme de la nomination de l'Algérie par rapport à d'un point de vue diachronique. Merci. L'espace n'était pas délimité à l'époque, il n'a été que récemment, mais par exemple quand on prend les langues berbères ou l'arabe algérien, on sait que ça a été parlé sur l'ensemble des pays de l'Afrique du Nord. Et quand on dit l'Afrique du Nord, c'est le Sahara aussi. Parce qu'il y a le Sahara subsaharien et puis il y a l'Afrique du Nord. Donc le Korandjé, bon, il y a la Missoua qui a consacré des études approfondies sur le sujet. Mais oui, on peut le considérer comme une langue algérienne, du moment où c'est un mélange de langue africaine et de berbère, qu'il est pratiqué sur une partie, dans une ville algérienne, dans un espace qui est celui de l'Afrique du Nord, on va dire, pour ne pas limiter ça à l'Algérie. L'Algérie aussi, c'était par mesure de prudence, parce qu'il fallait circonscrire le champ. Parce que si j'avais parlé de toutes ces questions en Tunisie, au Maroc, la lingua franca, comment elle était présentée au Maroc, par exemple, le turc, comment il était pratiqué en Tunisie, etc., ça aurait fait beaucoup. Je n'aurais jamais terminé ce livre. D'accord. Mais donc c'est pour ça que j'ai délimité un peu la géographie concernant mes préoccupations et mes choix. Mais oui, je pense qu'on peut le considérer comme une langue pleinement algérienne du moment où il est pratiqué en Algérie, en Algérie. Je crois qu'en Algérie, paraît-il. Qu'en Algérie, mais après il y a des situations comme ça dans les autres pays africains, subsahariens, frontaliers, où il y a des mélanges de langue berbère et de langue de souche africaine. Et donc, au Mali, mais au Niger, etc., il y a des langues qui ont leur dénomination. Je pense d'ailleurs à élargir mon champ de recherche, dans le cadre d'autres ouvrages, et évoquer justement ces questions un peu marginales, ou ces langues un peu minoritaires, et minorées aussi, et voilà, essayer de les décrire, mais tout cela fait effectivement partie de notre patrimoine linguistique, de notre patrimoine culturel, etc. Il y a même des ouvrages maintenant sur des pages sur les réseaux sociaux numériques qui essaient de montrer c'est quoi le Korandjé, quelle est la culture des textes écrits en Korandjé, etc. Sauf que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure aussi, ça n'a pas trop intéressé les berbérisants, ces questions-là. Ce n'est que maintenant qu'on commence à envisager la berbérité dans sa diversité et notamment dans ses relations avec les langues africaines. Et c'est très important. Quand on lit les premiers berbères de Melika Hachi, par exemple, on est frappé de voir que le Sahara algérien et le Sahara, le Grand Sahara, a été foncièrement berbère de part. C'est toponyme, de par les langues qui étaient pratiquées, de par les noms de lieux, les noms de personnes, les différentes langues berbères qui étaient pratiquées. Et je crois que la berbérité aussi est venue surtout de là, de ce sud de l'Afrique, et s'est montée vers le nord. Au sumérien, etc. Donc ça remonte à très loin. Mais c'est pour dire qu'il y a toujours eu des syncrétismes, des mélanges, mais des emprunts réguliers, ça c'est l'histoire de l'humanité. Donc il y a toujours eu des emprunts, des successions, des connaissances, une accumulation des connaissances qui ont fait que les langues ont évolué. Mais personne n'a le monopole de l'alphabet, n'a le monopole de la langue, ou de la langue première, ou de la langue pure, ou de la première langue, etc.
C'est ça que j'essaie un peu d'expliquer. Oui, par rapport aux langues minoritaires, parce qu'on n'a pas trouvé de traces, est-ce que c'est pas aussi des langues qui étaient beaucoup plus portées sur l'oralité que sur le fait de transcrire sous une forme ou une autre? Donc, du coup, ça veut dire que l'approche ne peut pas être la même, y compris en termes de matériaux pour identifier l'existence ou l'influence. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on est à Oran, c'est une ville qui est influencée par l'espagnol, et je ne t'ai pas entendu dire quelque chose sur... Oui. Voilà. Confusion, c'est-à-dire il y a des mots qui nous viennent de loin, de l'espagnol, quand les Espagnols ont occupé Oran, mais je pense que les mots espagnols qui sont restés, les locuteurs de l'espagnol d'un certain âge que nous avons encore à Oran, par exemple de l'italien que nous avons dans l'est de l'Algérie, c'est grâce au contact avec les colons espagnols qui ont pratiqué cet espagnol. Donc les emprunts à l'espagnol qu'on a dans le parler d'Oran aujourd'hui, c'est dû aux colons espagnols qui sont arrivés donc avec la colonisation et qui ont influencé l'arabe algérien, mais dans certains secteurs comme la pêche par exemple, mais dans des quartiers comme la Sidouéré par exemple, où on a de parfaits locuteurs d'espagnol. Jbeliemi me disait que sa mère parlait voilà, couramment l'espagnol parce qu'elle a côtoyé des espagnols dans le quartier de Sidouéré. Il y a un enregistrement dans un film où les parents de Hajj Mediani sont au kiosque de musique et justement qui revivent le moment où ils se rencontraient et ils parlaient en espagnol. Liedo. Voilà. De Jean-Pierre Liedo. Mais professeur Berja. Est-ce qu'il y a des bribes d'un alphabet définaire ou autre? Les 150 000 gravures de peste, parce que ça ne va pas arriver d'écrire. Oui, mais ce n'est pas la même période. On a les dessins de peste qui remontent à des milliers d'années, donc avant le temps présent. 10 000 ans. Voilà. Mm. Et puis le Tifinagh, il a été retrouvé sur des stèles, mais c'était pas les mêmes. On ne s'est pas retrouvé sur les mêmes stèles, sur les mêmes pierres, si vous voulez. Vous voyez, donc c'était. Voilà. Ça, c'est les dessins. Comment? C'est quel culture? C'est le Tifinagh. Voilà, c'est l'alphabet Tifinagh. À côté des gravures plus vestes? Non, pas à côté, mais dans la région. Voilà, dans la région, là où vivaient les Touaregs, on avait des pierres sur lesquelles était gravé l'alphabet Tifinagh. Mais il y avait aussi des bijoux sur lesquels était gravé aussi l'alphabet Tifinagh. Des bijoux en argent aussi sur lesquels était gravé le Tifinagh. Mais aujourd'hui, maintenant, on a récupéré ça dans le cadre éducatif. Enseignement, les berbérophones touareg préfèrent opter pour le Tifinagh pour apprendre les langues berbères. Par exemple, ils ont choisi l'alphabet arabe. En Kabylie, par exemple, ils ont choisi l'alphabet latin. Voilà, donc ça dépend des sensibilités, des idéologies aussi et d'autres considérations. Pour ces tueurs. Oui. Parce que, on peut dire que suivant les libiques, Alors, oui. Est-ce que c'est une langue aussi qui a des racines africaines? Oui. Alors, le Tifinagh, c'est un alphabet. C'est un alphabet qui a servi à l'écriture du Targhi. Et le Targhi, c'est une langue berbère. D'ailleurs, les berbérisons dans les années 70, etc., ils ont puisé le gros des néologismes, des mots qu'ils ne trouvaient pas dans le berbère du Nord, dans le Targhi, dans la langue des Touareg. Et le Tifinagh, c'est un alphabet qui a servi à l'écriture du Targhi. Mais là aussi, on n'a pas des textes importants en Tifinagh. Nous avons quelques petits textes comme ça, comme sur les stèles, le libique et le punique qui est écrit sur donc c'était des textes très brefs et donc ça n'a pas servi à une écriture on va dire dense et fournie d'une littérature par exemple parce que la littérature en Afrique du Nord mais même dans le Sud c'était une littérature fondamentalement orale et le Tifinagh là aussi il y a aussi il y a une l'hypothèse selon laquelle l'alphabet Tifinagh vient de l'alphabet ou a été influencé par l'alphabet punique, d'où le mot Tifinagh,
qui aurait été peut-être Tifinagh, l'écriture Tifinagh. Et dans Tifinagh, on trouve le mot finir ou phénicien, etc. D'accord ? Donc, d'où une hypothèse selon laquelle l'alphabet Targhi aurait, ou les Touaregs, auraient emprunté leur alphabet aux Phéniciens. Donc, ça aussi, il y a plusieurs hypothèses quant à la constitution de l'alphabet Tifinagh, mais l'hypothèse la plus plausible, voilà, c'est que il y a eu emprunt à l'alphabet punique, mais il y a aussi des éléments, des symboles locaux qu'on retrouve dans les poteries, dans les bijoux, et qui ont été réinvestis et utilisés aussi comme symboles pour enrichir l'alphabet Tifinagh, qui est sensiblement différent de l'alphabet punique. Une représentation de Première édition. C'est le Soudan, c'est ça. C'est le littéraire d'Oran. Sinon, avant ou après, il n'y a pas de souci. Donc, qui a soutenu sa thèse ? C'est toi ou c'est... Ah, les deux, vous avez soutenu, hein, la félicitation. Si elle m'a dit que vous m'avez dit que vous avez soutenu, mais je n'ai pas entendu. Ah, très bien.